Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus, qui tombe bien parce qu'on est après Noël, enfin on est le 9 janvier. Enfin en tout cas j'ai enregistré ça le 9 janvier, j'ai plein de trucs à vous donner et on va faire un premier épisode spécial bricolage. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes, un joyeux Noël, que le vieux barbu psychopathe qui rentre chez vous par effraction pour vous filer des cadeaux a été sympa avec vous. En ce moment, beaucoup de boulot, pas trop le temps de faire des vidéos, des mini-épisodes. Il y a des épisodes qui arrivent, j'en ai 5 qui sont en préparation. Chacun a des niveaux de finition différents. Il y a des super épisodes avec les aminges de Keter qui vont arriver. Et plein d'autres choses, bien sûr. Mais en ce moment, jusqu'au 15 janvier, je suis super busy. Mais je prends un petit peu de temps, bah justement, pour vous filer un peu des trucs à droite à gauche. Qu'est-ce que je vous file ? Je vais vous filer des outils que je n'utilise plus, soit parce que je les ai en double, soit parce que je les utilise simplement pas. Pour participer, c'est super simple. Tu vas dans la description, il y a un lien. Il va y en avoir 4, puisque aujourd'hui, je file 4 trucs. Tu suis les indications, tu t'inscris, tu fais tous les trucs à droite à gauche. Et voilà. Premier élément qui m'a été donné par les copains de Ryobi, c'est une visseuse et perceuse d'angle. Je l'ai utilisée 2 fois, elle est littéralement neuve. Alors je la donne sans batterie et sans chargeur. Si t'as des trucs à percer dans les endroits un peu bizarres, eh ben c'est vachement bien. Tous les éléments que je donne, alors malheureusement, je sais que les gens qui sont pas en région parisienne, ils vont râler. Alors peut-être ça, je peux l'envoyer. Il y a 2 éléments que je vais pouvoir envoyer, il y a 2 éléments que je ne pourrais pas envoyer par la poste. Donc je suis désolé. Vous verrez dans le prochain épisode du Noël des Barbus, il y aura des trucs et je vous pourrai vous les enverrer par la poste. Vous allez pouvoir vous venger. Donc, premier élément, c'est cette perceuse viseuse d'angle. Vous pouvez aller voir dans la description, de toute façon, je mets les liens vers les différents produits. Deuxième élément, c'est mon ancienne scie sauteuse Bosch, qui est très bien, enfin qui est correcte pour une utilisation semi-intensive, voire pas intensive du tout. Elle est vachement bien, elle fait le job. Celle-là aussi, je peux l'envoyer par la poste parce qu'elle n'est pas trop lourde et pas trop encombrante. Alors, je précise, j'envoie par la poste, mais c'est à vous de payer les frais d'envoi. Le troisième élément, c'est aussi de Ryobi, des copains de Ryobi qui m'avaient envoyé ça. Une scie circulaire sur batterie. Là aussi, je la file sans batterie et sans chargeur. Pourquoi est-ce que je la donne ? Parce que je ne l'utilise plus, puisque j'ai une scie équivalente et un tout petit peu plus puissante de chez AEG que j'utilise dans mon atelier. Celle-là, ça fait 6 mois que je n'y ai pas touché. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je suis prêt à lui donner. Alors ça, je ne l'envoie pas par la poste, il faut venir le chercher en région parisienne, à Massy ou à Antony. On s'arrangera par mail. Le dernier élément que je n'ai pas ici, c'est le rabot de chez Ryobi. J'en avais fait plusieurs vidéos et je vous en avais parlé à droite à gauche. Pourquoi est-ce que je le donne ? Eh bien parce que je suis allé chercher un des gros rabots que j'ai trouvé sur le Bon Coin, l'ami Arnaud ou Sup, qui m'a revendu sa dégo rabot. Et donc mon rabot de chez Ryobi fait double emploi. Donc celui-là aussi je le donne. Celui-là il est encore moins envoyable par la poste parce qu'il pèse 30 kilos. Il est super bourrin, il fait du bruit, il fait de la poussière, mais moi ça m'a vraiment aidé. Donc si ça peut vous aider, eh ben moi ça me fait plaisir. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Des épisodes qui arrivent bientôt, pas mal de boulot, complètement booké jusqu'au 20-25 janvier minimum. Mais je vais essayer de vous balancer des épisodes. Je me souviens plus combien j'en ai qui sont en cours de finalisation. 1, 2, 3, 4, plus encore 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 épisodes qui sont en cours de finalisation, qui devraient arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ils sont tous à des niveaux différents de finalisation, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mon objectif aussi, c'est d'essayer de faire des épisodes qui soient intéressants et qui soient finis, plutôt que des épisodes moisis. Donc, je préfère attendre un petit peu et vous balancer des vidéos qui soient vraiment intéressantes, plutôt que vous balancer de la merde. Juste pour le faire. Je vous balance bien sûr des mini-épisodes, c'est des tout petits trucs très courts qui peuvent être potentiellement intéressants, qui peuvent vous donner des idées pour faire des trucs. Tu veux participer, tu veux gagner un de ces 4 éléments, tu vas dans la description, il y a tous les liens pour gagner ça. En attendant, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.